Jean-François Chevrier, donc vous êtes le représentant du HAC sur ce chantier qui n'est autre que le futur centre d'entraînement du HAC. En quelques mots déjà, pouvez-vous nous présenter à quel titre vous intervenez sur ce chantier? Eh bien, je suis en fait responsable du développement des projets pour le HAC et je suis assistant pour la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que je fais l'interface entre le HAC, l'architecte, les entreprises pendant l'exécution, depuis la phase de conception jusqu'à la livraison. Bon, parlez-nous un petit peu de ce chantier, c'est immense, ça va contenir 3 terrains notamment, un bâtiment pour les joueurs professionnels. Pouvez-vous nous présenter un peu ce site? Eh bien en fait, le but de ce grand projet, c'est de recréer près du stade les structures équivalentes à celles qu'il y a à Saint-Laurent-de-Brévedon aujourd'hui. Donc c'est héberger tout le staff et l'équipe professionnelle avec ces terrains d'entraînement. Et d'être près des équipes administratives et de gestion qui, elles, sont hébergées dans le stade. Bon, comment était pensé ce terrain? On imagine qu'il y a eu des inspirations, vous avez regardé ce qui se faisait ailleurs peut-être pour être voilà, dans ce qui se fait actuellement de mieux sur les terrains d'entraînement? Alors, le premier objectif, ça a été de faire l'équivalent de ce qu'avait Saint-Laurent. Le deuxième, ça a été d'avoir l'équivalent de ce que sont les grosses structures professionnelles pour l'entraînement des équipes, avec des terrains sur lesquels on peut jouer toute l'année. Et le premier, c'est les terrains hybrides, comme on a sur le Grand Stade d'Océane, qui lui a une particularité, c'est de pelouse, qui est en fait une pelouse hybride dans laquelle il y a non pas beaucoup de terre, mais surtout beaucoup de sable, des fibres synthétiques et du gazon naturel. Pour être concret pour le grand public, ce centre d'entraînement, il va comprendre un bâtiment avec des vestiaires, des bureaux pour le staff, un clubhouse, 3 terrains, dont un hybride, voilà, une butte, un terrain sable. Voilà. Parlez-nous des détails techniques que va comprendre ce centre d'entraînement. Alors, l'aspect sol sportif déjà. Donc, il y a un terrain hybride réglementaire qui est exactement de la même dimension que tous les terrains réglementaires qu'il y a en France pour le football professionnel, et qui a également la même surface de jeu que la pelouse du Grand Stade. Cette surface de jeu, c'est une surface hybride dans ce sens où c'est un sol en sable, il n'y a pratiquement pas de terre, dans laquelle sont piquetées des fibres synthétiques de polypropylène, et ensuite le gazon est semé. Les racines du gazon s'accrochent à cette fibre et ça permet une beaucoup plus grande utilisation annuelle du terrain qu'un terrain classique en gazon qui lui peut être utilisé 300-400 heures par an, alors qu'un hybride peut être utilisé dans les 800 heures par an. On note que ce terrain hybride sera le même que celui du stade Océane juste à côté. Ah tout à fait, c'est exactement la même technologie, c'est exactement les mêmes qualités. Il a toutes les caractéristiques de celui de la pelouse du Grand Stade, oui. Bon, quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées sur le chantier? On imagine que vous n'êtes pas arrivé, un coup de bulldozer et on sème de la pelouse. Je m'imagine forcément que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Tout à fait, d'abord parce que l'endroit avait des particularités historiques. C'était l'ancien stade des cheminots de la SNCF et ces terrains avaient été abandonnés depuis très longtemps. Il a une particularité, c'est que son altitude était telle qu'il y avait une nappe affleurante. Donc, comme on pouvait le voir souvent quand on passait le long du boulevard, une partie était inondée. Donc, pour éviter ces désagréments dans le futur, il a fallu remonter la parcelle de 2 mètres. Ça, c'était le premier point. Bon, on avait la chance d'avoir les terres d'excavation des fondations du Grand Stade qui étaient sur cette parcelle. Donc ça a permis de les replacer dans cette utilisation-là. On a également eu comme autre problème le bruit du boulevard, parce que c'est quand même un boulevard à haut trafic, il passe plus de 40 000 véhicules par jour. Et donc là, le traitement acoustique a été confié à une société qui nous a orientés vers des pistes, notamment un merlon qui est en fait un talus en terre, qui fait 5,50 m de hauteur par rapport au boulevard et qui à lui seul a consommé une grande partie des terres disponibles aussi et qui donne en même temps un aspect paysager quand il va être planté. Alors vous me l'avez confié en amont de cet entretien, vous n'aviez qu'une semaine de retard sur vos temps de passage, c'est pas mal. On a envie de savoir qu'est-ce qui peut vous empêcher, qu'est-ce qui peut vous retarder encore le chantier, quelles sont les mauvaises surprises que vous pourriez avoir d'ici la fin du chantier? Alors à ce stade, On est déjà très satisfait d'avoir pu tenir ce projet avec une seule semaine de retard qui a été liée à des intempéries pendant les phases de terrassement. Et là, c'était difficile de pouvoir accéder, il y avait vraiment des fortes précipitations. Maintenant, nous sommes très près de la phase la plus importante qui est le semis du gazon sur la surface du gazon de la pelouse hybride. Et bien derrière, maintenant ce qu'on espère, c'est que la météo va continuer à être clémente pour permettre à ce gazon de pousser et d'être assez dense pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle le piquetage des fibres dès le début janvier. Et là, le terrain sera, on l'espère, exploitable à ce moment-là. C'est ça, la seule chose maintenant qui pourrait vous empêcher de tenir des délais, ce serait des conditions météo défavorables. En particulier la baisse des températures ou des fortes pluies qui feraient que la pousse du gazon s'arrête. Là, on est à un phénomène qui est la nature. En dessous de 8 degrés, le gazon ne pousse plus.